Merci mille fois. Merci. Tu sais, moi j'ai jamais été prêché que dans ma propre église parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'enfermer ta musique à un nombre de personnes précis parce que tu vas rentrer dans un système. C'est-à-dire que tu vas dire, OK, il y a 300 clubs dans le monde qui jouent cette musique-là, il y a 50 salles de concert ou 60 salles de concert où on peut les se produire, et tu restes dans ce cercle-là. Tu t'enterres et puis tu vieillis. Et là c'est un gros problème. C'est-à-dire que tu restes avec ton public qui va vieillir avec toi parce que de toute façon les choses changent. Et moi depuis le début avec Eric Morand et qui on s'est associé il y a très longtemps sur FCOM, l'idée de FCOM, l'idée du développement de nos artistes sur FCOM, l'idée de moi, ma musique, où je pouvais aller la jouer, les lieux, enfin, et même avec Christian, tu vois, qui est mon agent. On a toujours dit, il ne faut absolument pas oublier notre base et il faut toujours la privilégier, mais il faut ne surtout pas faire que ça. Parce que si on ne s'ouvre pas au monde, si on ne s'ouvre pas à d'autres endroits, on va ni faire du bien à la musique qu'on défend depuis toujours, ni nous faire du bien à nous. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va s'enfermer, on va mourir. Et ce qui était vachement important, ça a été d'aller remplacer Guns N' Roses à Rock Werther devant 80 000 personnes. C'était de faire l'Olympia il y a plus de 10 ans. C'était de faire le Festival Jazz de Montreux, d'aller jouer à Jazz à Nice, d'essayer d'aller faire tous ces lieux-là, d'aller jouer de la musique pour des mômes à Lille devant 2000 gamins dans la rue, devant des petits gamins de 6 ans, 7 ans. Tout ça fait que on a pu venir ici il y a un an. Je pense que tout ce travail en amont pendant des années, la radio, les expériences avec... que ce soit avec Toumi, que ce soit avec le petit rappeur marseillais qu'on a trouvé et avec qui on a fait un morceau sur l'album, de faire monter Mathieu Chédid avec nous quand on est en Suisse, il est à côté, bah tiens, viens faire un track avec nous, d'aller faire des trucs avec lui, de bosser avec Vincent Segal, tous ces trucs-là font que... Il y a d'autres gens aussi qui ont découvert notre musique, le travail avec Pietra Gala, les travaux avec Angelin Prejlocage, il y a plein de trucs. Hein. Mais tout ça a fait que je pense qu'on s'est positionné, en plus d'être confortable dans le monde de la musique électronique, on a aussi une place autre part. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire Playel, je pense. Ça n'a été qu'une montée. C'est-à-dire qu'on a tourné... 18 mois avec le groupe. Alors Playel c'était spécial parce qu'on était 10, mais le groupe c'est 5 personnes. Hein. C'est Philippe Nadeau, Philippe Anico, Scanix, Benjamin Ripper et moi-même. Plus les techniciens qu'il ne faut jamais oublier parce qu'ils sont sans eux, on n'est pas là. Tout simplement. Hein. C'est trop souvent on les oublie, on les présente très rarement. Et,
Et Christophe, notre tourman, qui fait aussi nos retours. James, qui a fait nos lumières, qui est un mec absolument merveilleux, extrêmement drôle. Très important d'avoir des gens drôles aussi sur les tournées fatigantes. Tutu, qui était au son, enfin tous les gens avec qui on a tourné, Christian, Eric et tous ces gens-là. On n'en serait pas là. Plus tu joues avec des musiciens, que ça se passe bien ou mal, plus tu avances. Plus tu apprends. Et plus tu apprends, forcément, plus tu peux introduire de nouvelles choses dans ta musique. Et j'ai fait beaucoup de monde dès le départ, et bizarrement, je suis en train de vachement épurer. Parce que je me rends compte que quand tu connais vraiment les gens, vraiment les musiciens, tu peux aller beaucoup plus loin avec eux. Et tu peux... c'est pas parce que tu as beaucoup de gens sur scène que tes morceaux vont devenir plus intéressants et plus longs. Tu vois ? Et donc, toutes ces expériences font que je me sens de mieux en mieux avec les machines, avec les musiciens et avec cet univers-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à tout ça que j'ai monté LBS, qui est la formation sur laquelle je tourne en ce moment, où on n'est que trois, donc il y a moi, Stéphane et Benjamin, avec en plus les platines. En plus des morceaux live, je mixe aussi, donc je fais 20 minutes de DJ, on fait une heure de live, donc on fait 3-4 morceaux, et là les morceaux sont ultra longs. Là, comme les gens dansent, on peut se permettre de faire des grandes longueurs de morceaux. Namakuji, le plus long, je crois qu'il a fait 38 minutes. Un truc de fou. Et Acid Eiffel, je crois qu'à Playel, il a dû faire 11 minutes. Et la version d'Acid Eiffel, en ce moment, elle fait pas moins de 25 minutes de ce qu'on fait là en ce moment. Parce que le fait d'avoir travaillé avec tous ces musiciens fait que moi, j'ai vachement avancé aussi dans mon côté DJ. C'est-à-dire que j'ai pu incorporer, en faisant danser les gens, et ben le côté live, qui des fois, ils avaient un peu de mal, parce que j'ai deux publics. J'ai le public du live, qui adore le live, qui n'aime pas forcément mon côté DJ, et puis le DJ qui, très souvent, n'aime pas mon live. Et là, j'arrive à allier les deux, très bien, ça se passe super bien. Et donc, c'est pas culminant, c'est qu'une... j'apprends toujours. Voilà, on avance. La route est longue, mais on avance. Non, mais c'est drôle de se retrouver quasiment, enfin un tout petit peu plus qu'un an après, dans cette salle vide. Et j'ai un peu le même sentiment aujourd'hui, c'est-à-dire que de la voir vide aujourd'hui, je me demande si je pourrais le refaire. Tu vois, je me retrouve exactement dans le même cas de figure aujourd'hui, en l'ayant fait. C'est un espèce de souvenir où je ne suis pas sûr que je l'ai fait, quoi. Je suis pas vraiment sûr, je suis venu ici, on a fait tout ce qu'on a fait, on a un peu déplacé des montagnes quand même pour faire ce concert. Et chez nous, dans le monde de la techno, et de cet accueil qu'on a eu des gens de Playel, je pense que c'est un rêve. ça doit être un rêve. Et j'ai eu exactement la même montée, donc ouais, on a dû venir là, ouais.